nous voulons parler du vivant. Et nous avons à nous expliquer sur le fait que nous parlons du vivant et non pas de la vie. Pour quelle raison? La vie, c'est d'abord un concept qu'on peut dire vulgaire. La vie parisienne, la vie est belle, rien n'est plus précieux que la vie. Voilà trois expressions dans lesquelles la vie a perdu, sauf dans la dernière, presque tout son sens pour devenir simplement une espèce de métaphore. En outre, la vie, c'est un concept que la science n'a cessé constamment de refuser. Je ne dis pas qu'elle a réussi à l'abolir, à le réduire, mais elle a toujours cherché à rendre compte de la vie sans tenir compte de la vie. Et il y a quelques années, a paru le livre d'un chimiste d'une université méridionale dont le titre est assez explosif, « La vie n'existe pas ». Cela veut dire que ce concept de vie, la science le refuse et pense que tous les phénomènes que l'on cherche à interpréter en parlant de la vie sont en réalité des phénomènes qui peuvent être expliqués uniquement au niveau des lois physiques ou des lois chimiques. Et pourtant, personne ne songerait à dire « le vivant n'existe pas » ou « les vivants n'existent pas ». Le mot « vivant », par ailleurs, offre l'avantage d'inviter le philosophe à regarder la multiplicité des êtres qui vivent. Et cette multiplicité est quelque chose, enfin cette surabondance, cette profusion est quelque chose d'étonnant, et elle est l'occasion de variations littéralement extraordinaires. Je suis d'accord. Et dans ces conditions, nous nous engageons explicitement, vous et moi, à rechercher, et je ne dis pas à déterminer, nous nous engageons à rechercher quels sont les signes ou les marques auxquelles on reconnaît parmi tous les êtres, parmi tous les existants, auxquels on reconnaît le vivant ou les vivants. Alors, si vous le permettez, nous pourrions examiner successivement si le vivant se reconnaît à sa forme, ou bien s'il se reconnaît à son organisation, ou bien si, aujourd'hui, il se reconnaît à ce qu'il faut bien appeler, car on ne peut pas l'appeler autrement, sa structure. Les hommes, lorsqu'ils ont réfléchi sur le vivant au cours de leur histoire, ont emprunté cette espèce de marche et de progrès. Ils ont commencé par l'analyse des formes et des apparences. Eh bien, il est donc sage de procéder comme eux et d'emprunter le même chemin. La recherche d'une marque spécifique du vivant du côté de la forme, c'est une recherche qui paraît facile et qui me semble au contraire ne pas aboutir à un résultat incontestable. Voici ce que je veux dire. Et oui, tout le monde fait une différence à Paris, à Lyon, à Bordeaux, en ville, quelle que soit la ville, tout le monde fait une différence entre le pavé sur lequel on marche et les arbres qui sont alignés dans les avenues sur les trottoirs. Il semble que la forme végétale, la forme animale possède ou présente plus exactement une délinéation, un schéma qui en fait tout de suite quelque chose de différent, par exemple d'un nuage ou d'un amas de rochers, d'une montagne. Et cependant, il est incontestable que si nous entendons par forme une délinéation dont cet objet fabriqué nous offre ici une très belle illustration,
le vivant n'est pas seul à présenter des formes dans la nature. Oui, bien sûr, il y a des formes matérielles qui sont aussi constituées, aussi cohérentes et aussi solides, peut-être même plus, en ce qui concerne alors les minéraux, les cristaux, qu'en ce qui concerne que relativement au vivant. Un cristal se définit par le scintillement même de sa forme. Et les métaux eux-mêmes se reconnaissent, souvent il est vrai microscopiquement, par, j'ose pas le dire, mais enfin par leur structure, disons leur forme, leur maille, leur réseau, etc., grâce à quoi on peut les reconnaître. Si nous ne pouvons pas trouver dans la forme en tant que telle un critère de distinction entre le vivant et le non-vivant, puisque l'exemple que vous donnez, exemple classique d'ailleurs, l'exemple des cristaux, nous l'interdit. N'aurions-nous pas un recours en disant que ce qui caractérise le vivant, c'est la capacité qui lui est propre de formation de sa forme, l'auto-formation? Bien, on serait heureux de pouvoir dire oui, mais malheureusement, je vais dire non. Parce que, je ne sais si vous serez de mon avis, il est des matières qui sont capables justement d'auto-reproduction et, pour ainsi dire, d'auto-formation. Par exemple, le cristal se régénère, mais il y a aussi des phénomènes, on peut dire que j'exagère, mais enfin, ils existent aussi, de syncristallisation, une espèce de communication, par conséquent, de sa propre structure ou de sa propre forme. Par conséquent, il ne faut pas, ce serait là encore trop facile, il ne faut pas trop opposer dès le départ la vie et la matière, valoriser la vie, puis penser que la matière, c'est l'inerte, l'homogène. On en tirerait une philosophie, évidemment, peut-être, enfin, un peu molle, mais en tout cas facile, mais je ne crois pas qu'elle soit conforme à la réalité. De sorte que nous ne pouvons pas trouver dans la forme, ni dans la formation, ni dans la déformation, et dans n'importe quel processus qui part de la forme ou qui aboutit, nous ne pouvons pas y trouver ce que nous cherchons, et c'est peut-être ce qui explique que la science des vivants, lorsque elle s'est bornée à être la science des formes, comme l'était l'histoire naturelle, dont l'essentiel consistait dans une description et une classification, une taxinomie, cette histoire naturelle n'a pas réussi à rendre compte de ce que c'était que le vivant. Et alors, nous sommes presque, en suivant le cours de l'histoire des sciences, nous sommes presque conduits, cette fois, à passer du concept de forme à celui d'organisation et à nous demander si ce qui caractérise le vivant, c'est ce mode d'être que on appelle encore aujourd'hui et depuis Aristote, depuis le philosophe qui le premier a conceptualisé la connaissance des vivants, que on appelle l'organisation. Alors là, ce n'est pas naturellement à vous que j'apprendrai que ce concept d'organisation, qui n'est pas autre chose qu'une généralisation du concept d'organe, a été formé par Aristote dans un contexte qu'on pourrait dire technologique. L'œil est l'organe de la vue, la main est l'organe de bien des mouvements, de bien des actions. Mais parce qu'il existe pour Aristote un responsable du mouvement ou de l'activité de ses organes, et c'est l'âme. Au départ, le concept d'organisation suppose une conception animiste du vivant. Et c'est si vrai. Me semble-t-il que pendant des siècles, on n'a considéré comme organisé que les animaux, c'est-à-dire ceux des vivants que l'on croit pourvus d'une âme,
d'une âme sensitive, d'une âme motrice et, problème, d'une âme raisonnable. Au point qu'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que le caractère d'organisation, c'est-à-dire de rapport de parties composées d'hétérogènes et ayant des fonctions qui se répondent, qui sont interdépendantes, il a fallu attendre jusqu'au XVIIe siècle pour attribuer l'organisation aux végétaux. Et on leur a attribué le jour où des coupes microscopiques, des observations microscopiques ont permis de découvrir dans les végétaux des formations analogues à des objets techniques, des cubes, les vaisseaux, le mot est celui qui était employé à l'époque, les vaisseaux dans lesquels circule la sève. Il me semble que c'est là une des raisons. Est-ce que vous en voyez une autre ? J'étais retenu par une idée parasite, je ne sais si vous l'approuverez. Oui, les végétaux ont été mis dans l'ombre, mais ils ont pris leur revanche. Parce qu'à partir de ce moment-là, il me semble que c'est les animaux qui vont moins intéresser les biologistes. Les végétaux vont davantage les retenir, pour de nombreuses raisons. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que végétaux ou animaux, cela est vrai, ils sont définis par une espèce de solidarité entre eux des éléments, quelque chose de fonctionnel et non plus de morphologique. C'est ça. Une organisation, une totalité, une synergie entre les parties qui est au-delà des apparences et qui constitue alors l'essence de l'organisme. C'est vrai. Mais alors, tout à l'heure, c'est vous qui avez introduit, au moment où nous analysions, la possibilité de déterminer par la forme, la marque même du vivant, c'est vous qui avez introduit l'objet que l'on croit distinct ou opposé, qui en réalité est similaire, c'est le cristal. Alors ici, c'est moi qui vais introduire l'objet qu'on pourrait croire opposé à la vie, ou du moins à l'organisation vivante, et dont on peut se demander s'il n'est pas similaire, et cet objet, c'est l'organisation artificielle d'une machine. Est-ce que avec l'organisation, nous pouvons distinguer de façon spécifique le vivant de la machine, l'organisé naturel, l'organisme naturel de l'organisé artificiel ?